Réaction a continué sous manifestation étudiants qui a déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, il y a quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là. Majorité choisie, Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation Frise Belizère comme candidat pour poste premier ministre. Oui, on le fait encore un salut. Nous, moi c'est Jean-Baptiste Philippe, cap salut nous et cap remercier nous depuis capitale fédérale américaine à Washington DC. Jeudi à 3 mai 2024, c'est journée internationale liberté de la presse. Un coup d'œil spécial avec Jacques Belizère. Dans l'occasion Journée mondiale la presse là, Reporters sans frontières RSF fait sortir journée 3 mai 2024 là un rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement ak parlementaire yo trouvé au parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que il fait sortir chaque année, il examine facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent média yo ak situation sécurité journalistes dans 180 pays à territoire. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, liberté la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Wieners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Li dit la voix de l'Amérique, acteurs politiques yo toujours prêt pour la venir sous média yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo, et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme âme contre média qui critiquait yo. Wieners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une pi gros baisse dans liberté la presse par rapport à l'année passée. Tenez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Wieners, président Milei coupé financement pour médias publics et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade argentine dans Washington poko réagit sous email la voix de l'Amérique te voyé bali côté le demandé yon réaction. Classement by Norvège bon canet qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaire liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers, nous joignent tout Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande. Et dans quel camionnette là, nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins, qui c'est président National Press Club dans Washington, quoi, c'est un bagage qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend deux places pour le monter en 162e position. Mais Wieners dit, bagay ça capable de tromper moun. Et le pas fin clair. RSF affirme, la Russie recevoir mauvais canet dans affaire liberté la presse, qui en fait dégringolé, même si gen l'autre pays, côté bagay là, pire red que dans pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est emprisonnement journaliste parmi eux deux Américains. Ivan Gerskovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là, ni gouvernement américain démenti. Et département d'État dit, emprisonnement journaliste 32 ans ça, pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz-Matcheva, rédactrice en chef, chaîne télévision, sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty, qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié, inscrit non là comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça, Moscou considéré comme fake news, mauvaise information sur la Russie, principalement sous la mer. Groupe Défense Liberté critiqué département d'État américain pour être li pas dit la Russie emprisonnée comme Matcheva injustement. Ça qui était capable d'après yo aider dans la libération. Yon porte-parole département d'État américain dit la voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous Kassa avec un pilote encore. Classement ça, li pa bay mauvais nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen kote ça pi mi yo. Par exemple, amélioration dans pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place. Et puis,
Haïti, qui était en 99e, prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55.92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacqueline Bélisère, VOA Créole. Et si nous t'es Jacques, l'est toujours, t'as qu'à dire plus toujours sur Liberté de la Presse, ou façon que Liberté de la Presse a célébré jeudi, hein. Dans certains pays, bah, elle a capable bon, mais dans l'autre pays, bah, elle a capable bon. Nous prenons le pays d'Haïti, côté, nous prenons le garder avec souterrain même, journaliste qui travaille souterrain même, qui j'en la vie, oui. Matadoui. En Haïti, journaliste, yo, surtout nous-mêmes, qui reportait d'image, yo, situation grave pour nous en Haïti. Et c'est avec un peu de difficulté, nous, le travail à terre. C'est en bas en pile critique et agression. Journaliste reporter yo a travaillé dans Port-au-Prince. Travailler la pression fait qu'on est chaque jour bon Dieu mette y a pressé voir menace sous la ville. Lorsque nous rentrons dans le quartier défavorisé, dans le quartier côté groupe armé, nous fait interview ensemble avec yo. Eh bien, autorité nationale yo critique nous. Police tout, qui sont forces légales, qui t'a supposé là pour protéger nous même en tant que journalistes. Et yo prend nous pour cible bandi. Et bandi en lui-même tout, souvent, dès qu'on voit des journalistes qui arrivent dans l'espace, yo prend nous pour cible et la police, yo dit, n'a pas travaillé pour la police. Et des journalistes qui sont victimes là, parmi lesquels moi-même, plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale, nous arrivons même au niveau parquet. Il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, qui ont GPT, qui ont l'autre problème là toujours, qui ont un bal réel, qui mourit. Petit 5 journalistes qui sont victimes dans le dernier mouvement qui était déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Toujours sous même nouvelle là, nous avons journée ou bien notre cas dit 31e édition. Journée internationale Liberté de la Presse, là, c'est 31e édition. Et nous avons l'ONU qui a pris décision, ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc, nous pouvons aller dans New York, côté, il y a un journal haïtien qui est dans New York, qui est en cap travail pour informer la diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous l'histoire du journal, ça, qui est le Haitian Time, dans la ville de New York. So for us, when donc pour nous, l'œil aura les oreilles, nous n'a pas rappelé tout le monde que ce travail nous n'a fait, c'est constat les doyers. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora en un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times, la haïtienne américaine Vania André, gagne détermination à un objectif précis. Il dit travail nous, c'est rapporter ça là, avec ça nous doit découvrir. Mission ça a vine plus important dans le moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vine plus grave à cause de la violence gangue et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans le temps, Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping, gagnant qui choisit pour y courir. Pour André, faire face à besoin communauté, a voulu dire un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à communauté. Engagement, courir confiance. Joseph Laurent Cospo rete ti Haïti. C'est sa cause. L'expliquer, c'est sa cause. Nous partager moment important que le journal a publié. Ça encourager pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout, ça mettait nous en valeur. Pendant plus, migrants à Bébac et New York, un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus monde. C'est peut-être ça, il y a pris un bulletin immigration pour bâtir bon gens information pour qu'il y ait des communautés haïtiennes informées. Bulletin vise à corriger des informations et puis répondre à questions sur politique immigration. Il dit vraiment que nous devons jouer un moyen pour consolider toute information, ça, un seul côté, que n'importe qui monde qui a bien accès à lui, qui est dans une clinique ou docteur ou bien dans un centre communautaire. J'ai fort fait partie d'un plan pillage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger le journal là, très personnel. Il dit que regarde ce qui a passé au niveau national, moi, histoire de femme, avec histoire de parents, moi. Et puis, moi, qui a géré la qualité du reportage à faire pour des décennies qui viennent. You know, decades, two decades to come. Atteindre une audience globale et puis aider nouveaux migrants, c'est façon André à Haitian Times capable de disposer un espace côté monde quand on dévoile haïtien. Voilà, c'est Destin Romère qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York, qui a même dit que mes publics là informé sur ce qui a passé. Non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté Abdoula, tout qui, normalement, c'est la première base que tu connais, ce qui a passé dans l'environnement. Et puis, nous prêté dans New York toujours pour nous parler avec. Bah, le Saint-Louis qui parlait de découvrir, l'autre journaliste, c'est Dieu Nalio Chéri, qui lui-même tout, son journaliste photographe
on essaie de découvrir avec nous, journaliste là, Valérie Saint-Louis. Jeunalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui a bail information. Actuellement là, je suis freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France-Presse. Il servit à caméra photo li pour bail information dans des moments et situations qui parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travail li comme journaliste photographe est reconnu mondialement. Il était arrivé décrocher médaille d'or prix Robert Capa dans l'année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui est très prestigieuse qu'il était arrivé gagner pour courage exceptionnel qu'il était démontré dans le travail journaliste là. Il a fait reportage photo sous crise politique là avec Abi Douamoun en Haïti. Robert Capa, c'est un gros photographe de guerre. Ok, l'aime prend pris ça, un gros photographe dans le monde là, très le mieux dit. Oh, on fait gros bagay, oui, l'autre photographe, pourquoi j'aime faire. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour année 2021. Métier journaliste là en général, et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment menacé la vie. Tué, même toujours dit bon Dieu merci parce que moi toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. D'ailleurs, parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tira les amis et puis tiré pour défendre tête en mettant une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Jeunalio Chéri t'est arrivé blessé pendant que t'as fait travail. Son larme, moi, quand je suis à Cap Vini, son action de fait. Il y en a deux secondes et puis me dit me prend balle et puis me continue à faire photo parce que me sens monde comme ça moi même métier ça en pile en bas pression gang yo il était obligé quitter pays à prendre exil à toute famille. Un ami relem un journaliste li relem li dit que mais chef gang si Belekoa a demandé pour me dit pour qui ça. Pour qui est-ce que vous avez demandé? Qui non mon libaï? Il dit pour Jeunalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution, ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal, c'est une organisation qui a aidé des journalistes en Haïti. Il a aidé en pile pour me quitter le pays. Jeunalio Chéri t'a dit VOA Creole, qui sa journée mondiale liberté de la presse? Ça veut dire pour lui. Elle parle de liberté de la presse. Son bail pour tout le monde qui a baillé valeur dans tout le pays. Parce que la presse sont bien communs liés. La presse c'est pour tout le monde parce que moi-même m'ta fait métier ça en Haïti m'étais représenté tant que témoin société ya. OK m'étais là tout côté d'avec photographier tout ça moi qui pas normal qui doit qui mérite attention so m'ta fait travail ça so m'ta fait travail ça pour famille m'ta fait pour pays ya. Ça veut dire que un journaliste li mérite protection dans mais tout le monde. Jeunalio Chéri quitte pays depuis l'année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Li pas jamais déposé outils caméra li. Li était un journaliste photographe indépendant qui kounia basé dans Michigan côté que l'a travaille sur plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Cependant, c'est pas seul exemple ça qui gagne non côté journaliste a subi persécution. Dans Nicaragua par exemple, gouvernement maté journaliste, surtout journaliste qui travaille dans la presse, Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau, séparé journaliste Sayo avec pays la Cayo, avec moun kabli a Tikyo na Nicaragua. Journaliste Sayo qui était obligé de prendre exil, mais qui était continué à faire reportage étant la Cayo voisin Costa Rica. T'es voulu marquer 98e anniversaire journal Yoa, la Prensa, la presse. Comme ça, et y'a été retourné pour un petit bout de temps, bord de l'eau Nicaragua. Et le lien qui sali. The clandestine approach was necessary. Holmes Lawrence Ramirez, c'est un journaliste de la presse. Il dit, il songeait un moment sous bateau. Il était un gros silence dans l'équipe là. C'est seul bruit moteur qui était attendu. Il était nécessaire pour être proche pré-pays en Bachal. Presque tout les staff la presse, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur, t'es obligé de courir pour persécution au gouvernement. Puyo, produit en édition spéciale étant sous territoire nicaraguas, ça voyait un message par le gouvernement.
Nayel Martinez, c'est un éditeur pour La Prensa. Lydie, action Lio, c'était une façon pour dire gouvernement, mais nous ici là, côté nous pas de deux jambes quittées à Nicaragua. Mais un retour permanent, ça pas un choix pour l'équipe La Prensa. En 2001, le gouvernement président Daniel Ortega a saisi sa nouvelle-là. Dans le cadre de sa autorité, il a dit que c'était une enquête sur fraude la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa. A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Lui fait connaître la police est arrivée dans La Prensa et après ça, il prend contrôle du building. Tout employé la donne. Après ça, il a été arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison El Chipote. Il était jugé, condamné à la sentence 9 l'année de prison. Il a amende 3 millions de dollars pour lavage de l'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de camper sur rien. Holman a joué une liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a été mise dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journaliste a gain confiance que un jour il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et que la Prensa continue à vivre pour célébrer le 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Donaldo Hernandez, dans San José, Costa Rica. Serge François Michel, VOA Creole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale, branchée VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Rendez-vous ça, c'est après-midi, à tout juste après le journal ça, à 5h tapant. Nous mettons sous journal dans page non sur Facebook. Quand on parle d'une interview, ça intégralité toute au parler spécial ça nous fait sur une occasion journée internationale liberté de la presse. N'a pas quitté ce sujet ça. Nous parler dans le pays d'Haïti côté déblosage entre acteurs politiques qui étaient participés dans rédaction bien encore dans accord 3 avril là et bien sous choix de façon que choisi coordonnateur conseil présidentiel transition avec candidat pour poste premier ministre. Et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition à désignation ingénieur Fritz Belizet comme premier ministre Mamio a couteau tiré hier jeudi 2 mai malgré tentative CAICOM pour résoudre situation pas grand-quelle solution qui trouvait. Groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre là yo même yo pas participé dans rencontre ça. Yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'État, ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là. Avant rencontre là avec CARICOM, conseillers ont été réunis entre eux. Dans mitan discussion, accord 3 avril 2024 là, à inondation qui frappait notamment département nord. Pendant rencontre là, bloc minoritaire dans conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sous façon yo a pris décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5. Initiative ça visait garantir décision important qu'a gagne pour prendre dans mitan conseil présidentiel là ta cour nomination premier ministre avec formation gouvernement. Selon diverses sources nous capable faire confiance, gagne certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizet et puis tout pour ta répartition portion dans mitan conseil là. Même conseil présidentiel réunis journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter de trouver une entente par rapport à crise. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre opération militaire Israël a mené dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des certaines supporters Israël à Gaza entrent dans la confrontation à l'université Sydney dans le pays Australie jeudi vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation à l'université des États-Unis avec bouleverse Moyen-Orient qui arrive sur un campus qui sous un continent par le bon monde là. Manifestants rivalio, l'un abagé l'autre pour chanter slogan à souki drapeau. Mais quand même, à part de quelques discussions chauffées, manifestation a été tous les décrans fini pacifiquement. Mais c'était un autre signe qui la guerre Gaza, qui a couru sous 7e mois, avec la guerre qui a tiré les États-Unis, qui pas suspendre
a traversé plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnent banni avec drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, coin central, pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qui exerce la fin dans Gaza. Merci et Fred Kaimi, n'a prêté sous même sujet ça, et bien, groupe militant Amasio déclaré y a voué une délégation en Égypte pour discuter sous proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage, Gentil Augustin Junior. Hamas fait connait li a considéré ak yon esprit positif yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute averti que rétablir territoire palestinien qui dévasté ya ta mande effort que monde l'an pas jamwe depuis deuxième guerre mondiale. Après plusieurs mois négociation tombé levé, Hamas bay yon ton positif pour dernier proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé. Ça qui soulevé espoir que dès quand yo ka joine yon entente avant longtemps. Même les travailleurs médicaux yon Gaza qui en bas attaque rapporte nouveau frappe sous parti qui nan dernier bout de site Gaza jeudi vendredi. Matthew Miller dit groupe Hamas la gen yon bon proposition kounye ya. Gen yon proposition sous table qui satisfait en pile nan demande que Hamas te fait nan série négociation avant yo. Israël te fait yon offre important ak dernier proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et jan mwen te dit en réponse à un pile demande Hamas te dit que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nous croyons kounye ya c'est yo qui pour accepter accord que yo te mandé ya et yo ta dwe accepter et pour yo avancer. Chef Hamas Ismaël Haniyeh dit groupe là a voyé yon délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre à suspend et pour river joindre yon entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh dit médiateur yo qui sorti dans Égypte à Qatar, l'elle te parlé dans téléphone ak yo a hier jeudi ya. Que Hamas a petit dernier proposition Israël là ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis il se passe 10 moun mouri dans une inondation qui frappe yon parti au Brésil. Maurice Pierre. Au Brésil, 13 moun mouri et 21 lot moun disparaît après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans le sud-Brésil depuis lundi, d'après Défense Civile PIA. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, yo espéré quantité moun ki mouri yo a augmenté dans l'état à cause difficulté pour yo joindre accès dans zone côté te gen glissement terrain. Gouverneur Leite dit, malheureusement, nous déjà regrettons tout le monde qui peut enregistrer et pour gagner en pile, surtout à cause glissement terrain, à monde qui était côté qui pas gagner accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis n'a travail dit pour arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membre cabinet yo, parmi yo ministre environnement Marina Silva, t'ai visité Villa jeudi pour te rencontrer avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que les la nature belle nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffait de l'eau dans la région Pacifique équatoriale. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Nous parler dans pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante et bien mes amis, ont visité barrage canal et construction canal. Il y a massacre là dans Wanamet, Jodley Junior Seville depuis Fort Liberté. Une délégation Conseil national Fédération protestante d'Haïti qui gagne en tête lié pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là, canal irrigation rivière massacre là dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo dit, c'est pour te venir non seulement canal là, mais tout continuer pour te support yo pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, pasteur Floridor Calixte invité protestant yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Et bien jodi a, moi te jugé nécessaire pour me faire ça, pour me capable venir continuer encourager bel travail qui a fait ça, qui c'est canal ça, donc qui pral servir pour arroser tenou yo pour capable bailler
produit en pile manger dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous continuons à encourager tout le peuple haïtien. L'autre côté qui a fait canal, continuez à faire canal parce que aujourd'hui, le peuple a besoin de manger pour manger. Si l'autre monde a fait révolution dans la politique, nous-mêmes protestants, on fait révolution économique là à travers le développement agricole dans le pays d'Haïti. Pasteur Floridon Calixte, rien possible pour le dire. Secteur protestant, pas campé dans l'accompagnement y a bail paysan yo dans plein Bamariba Baoua. Comme ça, yo pote 1 million goud pour canal là. Il était tout profité annoncé, yo pral mette campé yon banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, ligue déjà fait coordination déjà fait déjà, mais moi-même comme président dans nos conseil national fédération pour d'Haïti, nous pote une offrande spéciale, nous pote 1 million de goud que nous n'a pral bail là dans quelques minutes en coordination et cap gérer canal là pour nous encourager davantage. Donc nous pote 1 million de goud encore pour nous ajouter sur tout ça que bail déjà pour continuer avec travail canal là. Fédération protestante d'Haïti, nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables d'encourager partenaires nous, pour nous capables mettre une coopérative d'agricole, pour ne pas dire banque d'agricole. Jodler Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale, branchée VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Oui, pas oublier rendez-vous à nous, mes amis, c'est 5 clapins. Sur page Facebook, nous, côté nous, pour suivre le reportage spécial, ça que plus fort, membre équipe service que la met ensemble pour présenter nous avec des journalistes. Et spécial tout qui au même tout, c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation la presse là, que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, mais qui a une participation par et tout. Donc, pas raté, rendez-vous ça. Nous parlons de Miami, côté nous parlons de Jeune Judon, c'est qui parle parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique. Carlo Vieux. Le musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là dans micro VOA Creole. Carlo Vieux annonçait que la retiré colis dans business musique haïtienne. Et me faire recul là, me dit que me t'a quitter musique, parce que et bon, I'm the family guy, on a monde qu'on a tout sur son bagage ça, but it's honestly that's what it is. Me pense que moi t'ai fait tant moins et kounya là c'est là pour me bailler tant moi petit moi. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moi as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Rosilmé alias Gigi t'est rencontré avec la presse dimanche qui s'est passé là dans Oakland Park État Floride pour te annoncer que désormais li pas artiste solo encore, li gen propre jazz dé qui pote nom Gigi Band, li gen nouveau manager qui pote nom Alba Guidi et li gen deux nouveaux vidéos sur marché musical là. Deux vidéos qui me sont sortis aujourd'hui, hein, yon ti kay remè, yon di yoz, et m'ka di que nous apwè différencieux, yon parle plein de l'amour, et l'autre là a parlé gens que m'ta remè pour moun sa, c'est moun mwen chaque jour, et deux concepts différents, yon ki vraiment fancy and fashionable, et yon l'autre ki voye nou droit à Haïti la kay. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en Haïti Floride, non pas, c'est juste de rentrer pour VOA Creole. Miami. Merci, Julien. Eh bien, mes amis, je dis à c'était une journée spéciale, c'est une journée de liberté d'après. Donc, on m'a dit tout journaliste, tout confrère, bonne fête, quel que soit côté, quel que soit dans la condition que bah, la caille pour difficile, mais quand même, Kimbella, Palagui, prend courage, n'avancez ensemble, c'était un jour pas nous. Nous parlons toujours et nous disons que je dis à rappeler que c'est vendredi, le week-end a déjà commencé. Donc, on connaît, soit marché. Gardant ou gardant bas, pas traverser la raison, pas faire ça. Et puis tout, sous pral conduit, tout, qu'on est que sous consommer alcool ou pas qu'à monter derrière un volant machine. Et sous monter derrière un volant machine ou pas qu'à consommer alcool. Passez un bon après-midi, un bon week-end. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe Capsali, nous, et dans notre toute équipe, c'est ce que là. Merci en pile. Dans lundi prochain. Pendant annoncé, la police a clamé qu'on les tête ensemble dans le périmètre qui est pour avec l'aéroport international de Saint-Louverture qui permet de quelques activités dans l'entourage aéroport 4-9-3 sans vous être chargé les situations. Bien, Leslie Voltaire, qui est un conseiller présidentiel, qui a participé à une interview avec Assad Volsi dans la Gazette News Haïti, eh bien, il a posté un extrait dans l'interview ça sur compte X. Il fait quoi? Pays a pas de droit continuer
apprenez qui sous contrôle et communauté internationale. Ça c'est le slogan Voltaire. Le pays a besoin de citoyens intègres, des haïtiens intègres, compétents pour venir diriger. Lui déclarer qui pas partisan. Et faut que nous ayons parlé pour faire face avec problème que le pays a fait face depuis un bon bout de temps, en plus le monde qualifié comme Kachouboumbe. Et il y a aller plus loin. Il dit pratique. Pour ne pas séparer le gâteau, ça de fini. Ça va de continuer dans le pays d'Haïti. Parce que Bagala critique en pile, petit bout de terre, papa de Salina. De toute façon, grand monde, si vous avez été pour le taler à les oreilles, pour le dire qui ça fait comme ça, c'est pas ça que vous te promettez. Malheureusement, il y a un petit monde qui n'a pas mis des pieds. Ah oui, dans la réunion CARICOM, tu es bien organisé avec conseiller, avec monde qui fait partie du conseil de transition. Malheureusement, Montana et Lavalas te fait abstention, briller, blesse personne. Et ça, ça pas tout dit. Conseil présidentiel, ça, il est tout arrivé dans la limite, après installation, après prestation seulement, après ça, on te fait comme élection qui n'a pas arrivé faite. Qu'on y a plus, on a posé cette question. Il s'est caché des élections qui n'ont pas faites là. C'est vrai, il y a une majorité en de conseil là. Ils ont droit qu'ils ont gagné de la situation. Ils ont toujours à l'organiser l'élection. Pour que ça, ce n'est pas l'élection qui fait. C'est désigné qu'ils ont désigné. Pendant qu'ils ont désigné Edgar Leblanc-Fils, personne n'a pas de problème. Parce que Edgar Leblanc-Fils, son personnalité intègre. Mais qu'on y a un monde qui pratiquement désigné lui, la situation. Qui ça a gagné de la situation? Pour qui est-ce qu'il travaille? Majorité ça. Est-ce que c'est dans l'intérêt du pays d'Haïti? Malheureusement, que le monde ne soit pas respecté, ça a écrit, ça a dit, ou après des pions la gang, il a fini de signer Edgar Leblanc-Fils, il a fini avec le premier ministre. Ça n'a pas respecté l'accord politique qui a été signé 3 avril la blessure. Ça a tout dit exactement. Pas rien pour Haïti, c'est tout pour Negio. Nous mesons au moins peuple haïtien, livré pour conscience. Tout pour vrai, ça a dernier goût de l'eau qui a tout renversé face à la blessure. Et nous pratiquement les Sivenes, et dernier coup de qui pour renverser vase là, c'est pas sa solution. Qu'on a solution, il n'a même pas haïtien, il n'a même diaspora haïtien, et il n'a même haïtien qui conséquent, qui dit que, il n'y a pas quitté un ensemble de monde qui est déjà contribué dans le crasé pays ça, qui est déjà contribué dans le pays ça, dans le niveau que lié là, et pour que ces monde ça qui vous continue à tout pisser, à piller les haïtien. Et je dis à m'bosser que, et je dis à m'être quoi que, je dis à m'abdi que, peuple haïtien, mais il faut nous comprendre que je dis, ensemble de moun sa yo, ensemble de conseil sa yo, ensemble de traite sa yo, ensemble de apatride sa yo, ensemble de antinationaliste sa yo, ensemble de anti-changement sa yo, yo pas travail dans intérêt haïtien, yo pas travail dans intérêt pays d'Haïti, yo travail dans intérêt métio, dans intérêt portio, qui c'est les États-Unis, le Canada, la France, la communauté internationale, qui c'est BINU, qui c'est l'ONU, qui c'est l'OEA, qui c'est co-groupe, yo travail pour ensemble de ambassades yo. Parce que je dis, hein, en pile dans l'exa yo, en pile, alors même si presque tout si m'a dit tout net, c'est des mouns qui ont déjà des problèmes de santé économique. Et si yon a des problèmes de yo, et kounia, yon dit que bon, yon ba alire faire santé économique yo, ba alire gérer et gérer question santé économique yo, mais au fond, question intérêt haïtien, pas de rien qu'à régler. Même gens, c'est que en pile dans messieurs dames SDP yo, qui te dans Ariel Henry, c'est des mouns comme si que yon pas de sou moyen, ça yon te gagne fini comme réserve. Et bien, yon tal souci, yon tal pillé, yon tal fait tout ce qu'on est comme bagaille drôle, comme corruption, pendant 32 mois, Ariel Henry, et bouton pas régler bagaille pays. Je dis à moi, nous étendez, équipe SDP, équipe André Michel, équipe Marjorie Michel, équipe Ricard Pierre, qui a passé le son, qui a fait le son, qui a fait la morale, pour dire que, et moun qui remet pays, moun qui pouvait si, moun qui pouvait ça. M'a demandé, équipe SDP, est-ce que yon même, pendant 32 mois, pendant 33 mois, qui ont été pour côté Ariel Henry, est-ce que vous avez posé des actions qui étaient dans l'intérêt pays? Je vous le dis que, peuple haïtien, et clairement, ils avaient nous dit que, dit Philippe, je dis qu'à présent, diaspora haïtienne, vous été quoi dans la révolution qui a prôné? En pile, la diaspora haïtienne, pour me généraliser. Yo croit que la révolution a prôné. Et yo croit toujours dire que la révolution est réelle. Et attend que ou mettez pio à terre.
pour que la révolution soit capable vraiment opérationnelle. Et en plus, haïtien qui est dans le pays, et qui est dans différents départements dans le pays, ils ont même tout cru dans la roue. Ils ont cru dans la révolution paléen. Et ils attendent que vous voyez si y a là. Et si y a l'envoyé pour que vous-même, vous embrattez le pensant avec vous. Qui ça va prendre selon l'empile là? C'est l'empile là, moun sa yo, qui croit dans la révolution là, et qui campe de yo, yo dit qui ça va prendre pour bay si y a la révolution. Et je dis, moun, messieurs, dames, ça nous conseille yo, yo vle bay raison avec vous. Yo vle bay raison avec ensemble de moun nan société hein qui te dit que yo pa kwè nan conseil ça, yo pa kwè nan moun sa yo parce que c'est même moun sa qui te contribué nan mete pays nan sa li la. Je dis entendez que au lieu de majorité 4 sous 3, 7 man, alors c'est 7 man, majorité 4 sous 3, kounya yo dou faut que majorité 5 sous 7. Pour bon exemple tout là. C'est plus mal la démagogie. C'est plus mon affaire intérieure à régler. Pendant ce temps, la pluie a tombé dans le pays. Hein? Et presque chaque soir, la pluie tombe. En plus, le côté inondé là. En plus, le côté qui a des boulonnages de café là. Est-ce que vous comprenez? Au cas ici, Blaise, on doit parler de la question de la pluie. Au cas ici, c'est plus passé 11 mois qui ont déjà perdu la vie. L'un qu'on est dans la capitale pays, dans Port-au-Prince, des chez pipi, l'arrière inondé à cause de tout égout qui pas nettoyé. À cause d'Amérique qui n'a pas pris responsabilité, c'est pendant un pile l'argent débloqué dans le cadre de question assainissement. Pendant, messieurs, dames, il y a plein de temps pour faire parler en pile, pour abgoumer pour pouvoir. Le peuple a continué à kidnapper et pas oublier que la saison cyclonique a avancé avec force. Là, a avancé avec force. Ils ont annoncé gros danger qui parlait sur le pays. Pendant, monsieur Damio, en pile monde de comprendre, après, je définis décider, puis je mettre conseil ça, et camper sous pied, je dis bon, pays à pour 4 mois, qui quoi là-dedans, je dis pays à râler en souffle. Malheureusement, Blaise personne. Ouais, conseil présidentiel, ça, Blaise. C'est mal épandé. C'est une autre crise, autre crise que pays à qu'on est là. Parce que, pas de volonté du tout. Bon côté monde qui fait partie conseil là. Et songez, l'étape difficile, pour de volonté, bon côté, pour plusieurs raisons. Elle claire devant Dieu tout le monde. Oui, claire devant Dieu tout le monde. Parce que ça qu'a fait Alpha Jump haïtien depuis le commencement. Bon, pas Jump haïtien depuis le commencement. Et puis nous t'évoluer pour des combats qui te fait dans l'intérieur du pays d'Haïti. Nous tout pouvons regarder. Nous devons chaque monde. Soit c'est représentant les États-Unis d'Amérique, c'est représentant la France, c'est représentant Canada qui est au. Et puis après, tant que nous venons pour Haïti. Si ce n'est pas nous-mêmes qui entendons les personnes comme peuple haïtien. Pour chercher, résoudre le problème qui est dans le pays, ça qu'à la kawel, nous fait carrément un problème, ta fait nous à couler avec ma. Ta fait nous à couler avec ma. Et, nous gardons toutes les situations. Monsieur Dame Sayo qui là, yo plus vrai café à couler avec ma. Parce que tout le temps qui est passé, li pi bon pour yo. Et vous, alcool, mais alcool, et vous, li pi bon pour yo, mais assez, c'est ça. D'ailleurs, c'est aussi, et aussi, encore politique, et aussi comme ça, 7 février 2026, bye bye. Que maintenant tu es comme si après 7 février 2026 si au target arrivé dans les ça pour penser que bah prolongement qui va ça qui va il y a que prolongement pour continuer c'est pas mon gars barolo c'est pas mon gars parce que attendez même je tire à rien mais tu as fini attendez temps passé et un intérêt mettre la vie parce que ça soit besoin qu'on ait les partenaires intérêt monde qui peut être gérer le pouvoir dans le conseil, mais là, il y a un intérêt météo. Parce que météo, c'est sous instabilité pays d'Haïti. Il y a fait brasse ça. C'est sous instabilité pays d'Haïti. Il y a confirmé que pays ça a une crise là-dedans. Il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait aide qui vienne là-dedans pour aider le monde. Et puis, il y a tout profité après le faire par eux. Songez après 12 janvier. Pour un pile monde, c'était une date mémorable. Une date importante. Quitte qu'on ait un pile haïtien qui a perdu la vie, dans quatre catastrophes naturelles, mais un pile monde pensait que pays a tout décollé. Mais malheureusement, ouais, après 12 janvier, c'est enterré le pays, enterré plus. Monsieur Damio vient là, sous prétexte qu'il a vint aider, il a plutôt poté aller, tout ça qu'il a vint nommer. C'est pour ça, question CEH là, il va le faire lumière sur lui. Qui ça fait va le faire lumière sur CEH? Parce que c'est même groupe Mounzao qui entend yo. Si yo quitte ti pep ça, entend yo. Si yo quitte ti pep ça, qu'on les tête ensemble, pour chercher à résoudre le problème que yo gagne de la situation, par la grave, en pile. C'est ça que fait, soit regarder sous visage, chaque grain conseiller, ou après, il y a marqué apatride, conseil dans tout niveau.
Parce que pas qu'il y a un là qui est capable de désigner, monsieur Damio. Si vous avez volonté pour te mettre le pays dans sa vie là, est-ce que vous n'avez pas embargé quand vous avez fait un actif dans chaque rapport qui a sorti, il a fait qu'on est qui a violé tout patron de pays là. Dans le département de la Tibonite, dans l'Ouest. Oui, imaginez, on a une femme qui l'a caillé, qui gros mal qu'elle fait, c'est parce qu'elle était la caillé. Bandit sans foi ni loi, débarqué en train de la caillé, il a demandé pour vous coucher, il a refusé parce qu'elle n'a pas de relation femme avec garçon avec Negio, il n'a pas traîné avec yo, Negio assassiné. Et ce n'est pas la première fois que ça a répété, les personnes. Ou un peuple qui en agonie, ou un peuple qui s'en est fini péri. Pour plusieurs raisons, il a juste couché la caillou, il n'a pas qu'à déplacer, grand bois tout. Et puis, Kounia, ou t'as jeune des monde qui dit que ça son pays qui te dirige, qui t'a dirigé. Majorité, monde qui passe dans tête pays, ça a blessé personne. C'est opération pompier au ferry. Il a quitté quand c'était le monde qui est une victime. Elle est à son tribune Nations Unies, où il a dit désolé, où il a confirmé, où il a dit mais quand c'était le monde qui mourit. Et question l'appli que vous parlez, c'est ça, monsieur dame qui est dans le conseil présidentiel. Où est-ce qu'il a perdu là, c'est un yapton, les gens beaucoup quand c'était le monde qui finit mourir, laisse à vous garder ses bilans, laisse à vous garder le temps pour retirer, pour débloquer vos l'argent. Et c'est le premier projet qui a fait là, pour retirer l'argent, pour faire l'argent, parce que les gens ont besoin. Où est-ce qu'il a cherché l'argent? Où est-ce qu'il y a des problèmes? Qui a des problèmes bavant? Qui a des problèmes poche? Mais comment c'est venu résoudre problème poche que là? Si n'y a pas peuple haïtien qui prend responsabilité pour dire non, ça n'est pas possible, que si on résout problème poche là, ce n'est pas Kounia. Nous avons résolu problème poche là, oui. Maintenant, ça que pour le pays qu'on est là, il mérite une volonté patriote pour quel que soit le monde qui vient prendre pouvoir. Pour au moins nous mettre main, si nous avons résolu problème là. La situation, c'est soit messieurs, dames, ça, yo, si vous êtes intelligent, c'est faire non, yo, à la mise de Panthéon national. Comme qui ça, à qui ti? Ça vous fait? Blaise. Ça vous fait, ça qui vous dit? Attendez, si vous êtes intelligent, c'est ça au cap bénéficier. Malheureusement, si vous regardez, vous n'avez pas intelligent déjà. N'a pas comprendre dans qui spirale que vous prenez là, n'a pas comprendre qui test que peuple haïtien a fait avec vous là, n'a pas comprendre dans qui situation que vous venez pour moun, comme moun qui a venu diriger le pays. Au plus souhait, c'est des moun qui disent, mon cher, c'est moment opportun. Il ne faut pas qu'être temps dehors. Je n'ai pas de moun pour te choisir, malgré l'élection, pas choisir. Et bien, j'ai une chance là, je vais et voir un membre dans le conseil présidentiel là, je vais tout préparer. Parce que, qui a retiré moun ça, qui a pas retiré, l'élection a bien pour faire quand même. Ma gen possibilité pour m'gen bed, ma gen possibilité pour m'gen bec, ma gen possibilité pour m'gen moun dans le conseil électoral provisoire ou bien conseil électoral permanent. Laisse ça, la ka fait quelques coups de plume. La ka entendu pour faire corruption. Parce que c'est sous base corruption. Au conseil présidentiel qui charge un paquet de moun, t'as le caché là-dedans. Laisse, m'a pas connu si moun kap gade kap tande arrive comprendre. Yon ensemble de moun qui te dans le caché. Conseil présidentiel la mette au déroi. On s'en demande qui te perd du doigt à la politique ou dis-moi, est-ce que soit des monde dans le secteur privé? Oui, dans le secteur privé, oui. Qui te perd du doigt à la parole dans la société, oui. Pour Zach qui est au commerce, oui. Ce n'est pas nous qui disons au commerce, Zach. Mais c'est boss, le monde qui a servi, qui dit que nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas commettre un crime dans le pays. Malheureusement, des personnes, si vous regardez, si vous suivez, vous avez vu le monde, depuis après, depuis un moment, installation conseil, ou c'est vous-même qui paraît. C'est vous-même qui devant scène. C'est vous-même qui avez fait mon la morale. C'est vous-même qui avez fait mon la loi. C'est eux qui paraissent comme monde qui plus intègre. C'est eux qui paraissent comme monde qui plus honnête. Et c'est eux même tout qui estiment que l'insécurité a un problème. Il faut que le problème de l'insécurité a résoudre. Je garantis, si nous ne prenons pas bonnet, puis ta capitrice blesse les personnes. Moi-même, je dis clairement, si venez, c'est que moun sa yo, faut peuple haïtien, faut prendre décision avec yo. Je regarde pour moi, qui est deux membres de conseiller présidentiel. Je crois que c'est Emmanuel Bertillet avec. Qu'est-ce encore? Peut-être qu'on Jean, on croit que sorti une note et pour sacrifier les Cap-Haïtiens. Pas besoin que tout ça. Il y a des cas sorti on va qui lié avec tout conseil là. Chaque nèg a fait affaire par Blaise. Yeah. Chaque nèg a fait attention par yo. Il y a des cas sorti on bagage c'est parti qui sorti dans nos conseils. Pas de ouais, pour me prendre d'abord, il dit que là pas même besoin que si atti mais non Edgar Leblanc officiellement là comme coordonnateur, il est qu'à mettre dans tout conseil. Et puis t'as plus simple. C'est un peu comme ça qu'on prend comme question de régionaliste ou bien. Non, mais là, pas de question de journaliste. Parce que toute action, on conseille à poser là en conseil là, les politiques, et les pousser à interpréter la façon n'importe qui a observé là. Vous comprenez? Les pousser n'importe qui a observé, interpréter la façon parle.
Et ça fait moi dire que si y a pas de jet coquin mesdames que moun sont abrégé, li cap clairement montrer que même dans question bagaille élection qui fait récemment qui pas fait élection fait, yo t'a tombé d'accord que mais bagaille pas arrivé jusqu'au côté rivé là. Yo t'a metté division, Montana dit si, Lavalas dit ça et était ici, petite Saline dit ça. Yo t'a besoin jusque là. Parce que t'a d'accord que c'est consensus. Et consensus ça t'a dit qui ça t'a dit OK, c'est Intel nous crois, Intel nous prend, Intel nous mettons là. Et pas oublier que même équipe à Montana, c'est vrai.